Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour débuter une nouvelle aventure sur Temtem les amis. Il y a très longtemps j'avais joué à Temtem lors de l'alpha, la première version qui était sortie, etc. Qui était dispo d'ailleurs, etc. Donc là cette fois-ci on va repartir à zéro sur le jeu tout simplement parce que j'ai perdu ma sauvegarde que j'avais via Discord. Parce que le jeu au début était disponible que via Discord, donc je l'avais acheté là-bas, et etc. Et bon bref, ils ont fait les transferts, moi j'ai pas fait gaffe, la sauvegarde du coup je peux pas la récupérer. Enfin il y a plein de manip à faire pour pouvoir la récupérer, mais flemme. Et je me dis, ben, quitte à redécouvrir Temtem, autant repartir de zéro sur le jeu avec une nouvelle aventure. On verra un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a. Est-ce que les modes tournoi sont dispo? Est-ce qu'il y a des nouveaux Temtem qui sont sortis? Est-ce que il y a les guildes, tout ça qui sont sortis? Donc je sais pas, je me suis pas renseigné les amis. Donc bah let's go, on va voir un petit peu ce que ça donne ce petit jeu. Et puis voilà, c'est en gros, pour grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas Temtem, c'est un Pokémon like mais en mode MMORPG. En gros, il y a des Pokémon qui s'appellent des Temtem, il y a les évolutions, les captures, tout ça, tout comme Pokémon, les combats, tout comme Pokémon, sauf que là, c'est en version MMORPG, donc vous pouvez jouer avec plein de gens, vous pouvez, c'est trop bien, il y a des tournois, vous pouvez faire des échanges, des combats, vous pouvez faire le jeu en coop, on va voir si c'est toujours dispo, mais on peut faire le jeu entièrement en coop avec un pote, donc c'est plutôt cool. Allez, du coup, let's go, nouvelle partie. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve le jeu. Alors déjà, on va créer notre petit personnage. Donc moi déjà, c'est un mec que je veux. Pourquoi ça me met... Ouais. On va mettre celui-là. J'aime bien comme ça. La tête. Attends, je vais aller aux cheveux directement. J'aime bien comme ça. Ah, j'aime beaucoup comme ça. J'aime bien comme ça, couleur des yeux. En rouge, c'est trop stylé. Alors, habille. Stylé comme ça, j'aime bien. J'aime bien cela. Ah, comme ça on est harmonisé, j'aime bien. Non. Ah. C'est bon, on a fait notre perso. Donc let's go pour découvrir l'aventure maintenant. J'avais fait une bonne partie, j'étais pas allé au bout de l'alpha. J'avais fait une bonne partie. Ah, FTS Ryzen, tu dors encore? Allez, réveille-toi! Merde. Alors, bonjour. J'ai envie de te dépêcher de te lever, tout le monde t'attend. Aujourd'hui, c'est le jour de mon éveil d'apprenti. Vous avez reçu un Tempedia. L'appareil hautement spécifique que tout dresseur se doit d'avoir sur lui. Le Tempedia enregistre toutes sortes d'informations cruciales à propos des Temtem vus et attrapés. Le vôtre est un cadeau d'Eina. En gros, c'est le Pokédex. Pour se donner...
Ok. N'empêche les amis, si seulement Pokémon faisait un MMORPG, ça serait tellement bien. Enfin, un vrai officiel, pas un fait par des fans. J'ai hâte de savoir s'il y a des nouveaux Temtem et tout. Déjà, le starter de départ, à voir si on peut prendre le même. Si c'est le même que dans les premières versions ou pas. Oh, putain, j'ai un vieux coup de froid là. Regardez-moi comment il est chouette le jeu. Zadar, on n'est jamais mieux que chez soi. Il est vraiment chouette le jeu. Voilà FTS Ryzen, félicitations! Jeux éveil d'apprenti. Nous sommes cotisés pour te donner un peu d'argent de poche pour ton voyage jusqu'à l'Academia. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Ah, naviguer sur l'archipel. La mini-carte est visible en permanence en haut à droite de l'écran. La carte complète peut être consultée en appuyant sur la touche avec les deux petits écrans, la Select en gros, hein. Les quêtes principales et secondaires sont indiquées par une icône sur la carte. Le suivi de quête indique l'objectif actuel de toutes les quêtes en cours. Ok. Donc ça c'est bien déjà. Professeur Constantine dans son labo. Est-ce que c'est là? Non. J'aime beaucoup, hein. Bah, j'aimais déjà à l'époque, mais c'est vrai que là j'ai l'impression qu'ils sont quand même vachement améliorés. Ah là on a une quête ici là. Vous voyez, sur la mini-carte. Alors. Équipe, Torpedia, monture, ok, sac à dos personnalisé. Carte, quête, notification, hurrah. Passe de dresseur. Boutique. T'as pu voir un peu la boutique de Temtem, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, c'est des montures, ok. Ok. Mais parce qu'en plus, dans le jeu, je vous ai pas dit, mais il y a un système de housing. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre maison et tout. D'accord. Bon, moi, ça va être une partie, la boutique, un peu balestec. Ah ouais, c'est bien. C'est toujours les mêmes, d'accord. Qu'est-ce qu'il est beau! Je le kiffe ce Pokémon. C'est celui-là que je veux. Je le trouve tellement beau. Sorry, regardez, vous préférez lequel? Il y a lui? Il y a lui? Ou il y a lui? Moi, lui, je le trouve tellement stylé. Mental. Ah ouais, moi je veux trop lui. Vous voyez là, en fait, dans le jeu, c'est pas des Pokéballs, c'est des espèces de cartes magnétiques, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau! Bon, par contre, je le rename pas, moi. Alors, examinez votre nouveau. Ouvrez le menu d'action et sélectionnez avec ses PV, son endurance et son expérience. Pour accéder aux détails, chaque item est unique et dans.
Ok. Allez. Parce que lui c'est type cristal et lui c'est type pugilat apparemment. Parce que les types sont pas exactement les mêmes que dans Pokémon quoi. Mais j'avoue que l'autre là, celui qu'il a là, il est tellement stylé. Max. Il est tellement beau. Mais Ushik aussi, il est sympa. J'aime bien. Vous avez obtenu un nouveau totem, Two-Way. Ok. C'est pourquoi je dois retourner à Arbury afin de demander conseil à mes collègues. Ok. Ok. Croiser de nombreux temtems en chemin, alors il serait sage de vous munir de quelques thèmes cartes. Vous avez besoin pour capturer les temtems. Ok. Ok. Bon, on a déjà les cartes pour capturer les temtems et tout, c'est cool. Ça marche comme Pokémon. Donc juste là. Jusque-là, rien de bien dramatique. Ah ça, on va bientôt pouvoir le débloquer aussi. Il y a quelques petits lags quand même. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un poté combat? Route vers Brissal de mer. Attends. Voyons voir. C'est quoi déjà les temtems qu'on rencontre ici? Un combat, lui. On va le démonter, les amis. Il est mort.
On l'a démonté. Quand je voulais aller voir, il n'y a pas des temtems que je peux affronter là. Des combats, des combats. En combat, les stats d'attaque, de défense et de vitesse d'un Temtem peuvent être augmentées ou diminuées suite à l'utilisation de différentes techniques. Chaque stat peut avoir jusqu'à 8 rangs de modification, ces changements ne sont pas dissipés. Ok. Oh bah j'ai one shot. On les a déboîtés. Quand même. Oui, vous avez capturé Pharo. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans le jeu. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Tempedia, 154 capturés, donc il a capturé 154 Pokémon et 42 Luma. Alors les Luma, les amis, c'est les Shiny en gros. Revigorant. Hop.
Hein? 100 000. Bon bah, pour l'instant, hein, 100 000. Je sais même pas combien j'ai. Combien j'ai? Attends, peut-être c'est là-dedans qu'on le voit. Sac à dos. Ouais, j'ai que 408. Je suis encore loin des 100 000, hein. Je me rappelle, il y avait plein de petits trucs un peu secrets et tout. On avait cherché avec les cartes. Oh, comment il est beau, lui. Alors, chercher à fuir, non. Je vais en capturer un. Je vais pas m'échapper. Bon, ce sera pas celui-là, visiblement. Allez, et de 2, et de 3, oui, soit ligne, parce que moi sur ce jeu je vais faire comme Pokémon, c'est-à-dire que bon, je vais tout collectionner, essayer de tous les avoir, etc. Je crois qu'on a des boîtes ou des trucs pour les ranger les Pokémon. Ah, par contre, il y avait un truc que je voulais savoir, c'était la sauvegarde, comment elle marchait. Oh, il y en a un, j'ai déjà, mais pas l'autre. Il est capturé! J'ai capturé Kakou! Type plante, enfin nature. Encore? Déjà lui. Bah, mange tes dents. Remange tes dents.
Ah, c'est qu'il y a même un pass, d'accord. Je savais même pas ça. Tu vas jusqu'à quel level? Ah ouais. Non, non, je vais pas acheter. Oh, j'ai cru que je... Oui, j'ai fait le fou là. Non, mais c'est ça que je voulais faire. Ça a pas l'air d'avoir de... Non. Bon, en tout cas, moi, les amis, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, partager, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. Bye bye!